Ouais. En gros, toi, il n'y a rien à savoir. Ouais, c'est voilà. Normal. Et toi, t'as l'écran qui est plutôt fun. Ouais. Tu peux faire une prise, genre regarder comme c'est classe, toi, t'allumes. Ok, ok, ouais. Pas mal. Et après, là, t'as toutes les infos. Donc là, indicateur d'arbre engagé. Ouais. La vitesse, vitesse réelle, contour, essence, temperature. Il y a les ABS dessus aussi, ouais. Ouais. Là tu vas dans le menu en fait, tu cherches ce que tu veux. MyRide, c'est la synchronisation du téléphone sur la table, sur le compteur. Les infos, c'est ton road trip. Tu as fait tant de kilomètres, tant de vitesse, tant de consommation moyenne, tant de vitesse moyenne, tant de temps de parcours et autonomie. Autonomie, ouais. Voilà, et après c'est tout ce qui est option de langage, donc, tu peux modifier, service rapide, okay. La langue, le service, ouais. Mais au fond, jamais en fait. C'est la combien de litres? C'est quoi? Le réservoir, il fait combien de litres? Putain, je sais plus. Ça doit être genre... Prends en photo, ça. Ouais. Ah, une fiche caractéristique ou un truc? Ouais. Bon bah c'est carré. Salut tout le monde, c'est Juste Prod aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons tester la KTM Juke 125 2018, c'est ça? 2019. 2019, wow, la toute dernière les gars, privilège. Donc il y a quelques options dessus, vous allez voir. Ça va être propre. Ouais, la bavette, ouais, et le pot. Merci. Let's go les gars. Bon bah merci bien, à tout à l'heure. Merci. Donc voilà la bête les gars. Donc lui il a un petit test. C'est une quoi toi, 400 reptiliens? 400 reptiliens. Voilà les gars. Donc on vous fera une vidéo présentation dessus. Donc merci beaucoup à KTM de Montpellier qui nous a permis de... Comment? Motopark Montpellier. De toute façon j'ai la carte, je vais vous montrer les gars. Qui nous a permis de nous offrir ce test. Voilà, ils sont super cool. Donc je vous mets l'adresse en bas de l'écran. Là ça s'affiche en bas de l'écran si vous voulez aller les voir. Ils ont des bonnes motos franchement. Ils ont des 690, des 125, ils ont un peu tout. Donc voilà, c'est à Montpellier. Je vous mets l'adresse en bas. Donc c'est vraiment des bons, ils sont super sympas. Donc aujourd'hui on part sur le test du coup d'une Juke 2019. Vous étiez nombreux à me demander ce petit test en plus les gars. Donc c'est cool. On a réussi à négocier un petit test. Allez, let's go. Oh, on est bien installé hein. Franchement, je kiffe. J'ai jamais testé de 2019. Allez, c'est parti les gars. Il y a Auguste là devant, celui en MT-07, qui a une petite Husqvarna. On vous fera la présentation comme je vous ai dit. Donc merci. Ah ouais. Merci à eux pour les deux tests. C'est à gauche. Franchement, elle a l'air super la moto. Donc voilà les gars, donc nous sommes sur une KTM Juke 125 cm3 de 2019. Donc elle a été un peu équipée. Donc par exemple, il y a des protège-mains ici. Il y a le silencieux Akrapovic. Comme vous entendez, c'est pas le pot d'origine, donc c'est juste le silencieux. Donc ensuite, il a mis, enfin, ils ont changé la bavette, le support de plaque qui est court. Là, je peux pas vous montrer, mais je vous montrerai. Donc on va aller rouler un peu dans Montpellier, tester cette bécane. Donc voilà, donc je vous conseille vraiment d'y aller si vous êtes sur Montpellier. Ça, il y a BMW, il y a KTM, il y a plein de marques, c'est vraiment cool les gars. Et ils sont super accueillants avec nous, donc allez-y. Donc là, on est sur la KTM Juke 125 comme je l'ai dit. Donc en vitesse de pointe, nous avons une vitesse de pointe d'environ 130 km/h, je crois, sur la 2019. Donc ça freine super bien, il y a les ABS, franchement ça freine super bien, je kiffe. Le freinage, il est top. Je suis vraiment sincère les gars, je vous mens pas. Je trouve qu'elle a du couple et qu'elle est super légère. Franchement, c'est une crème à conduire. Ça passe crème. Elle est super légère pour les courbes là, elle se penche super bien. Bon lui il trace, mais moi je vais pas trop vite comme ça je peux. Vous entendez bien le micro sans vent. Parce qu'il y a pas mal de vent aujourd'hui. Donc là nous avons le compteur, compteur digital, très très beau compteur sur les nouvelles KTM, très sophistiqué. Donc on a un grand écran comme ça, un peu comme une tablette, avec les kilomètres heure, le compte tour ici qui va jusqu'à 12 000. On a aussi le rapport de vitesse engagée, ça c'est très bien. Donc là on peut aller jusqu'en 6, il y a 6 rapports. Ici nous avons un commodo avec des touches, on peut régler quelques paramètres. Voilà, donc on peut voir KTM MyRide, donc on peut voir le couple, on peut aller dans les infos de la moto, option voyage 1, on peut voir... l'autonomie pardon, donc il y a écrit 230 km là, combien on a fait de kilomètres maximum avec un plein, on peut voir la vitesse maximale, on peut voir pas mal de trucs les gars, c'est vraiment cool. Je sais pas trop comment ça marche, je vais pas trop le dérégler, mais je sais qu'on peut mettre peut-être des modes sport ou quoi, je suis pas sûr. Enfin toi je sais qu'on peut faire pas mal de trucs et c'est vraiment cool. Donc voilà les gars,
Donc là on est à Montpellier. Donc je sais pas où est Auguste, on va essayer de le rejoindre. Bon allez, on va tirer un peu dedans. Mais franchement ça... Ouais, le virage. J'espère qu'il est passé par là. Ok, il est pas là. J'espère qu'il a juste tracé parce que... Allez, c'est parti. On prend un petit peu de courbe. Il fait super chaud aujourd'hui, les gars. Oh, ça penche bien. Hein. Ça penche nickel, les gars. Elle est vraiment cool, hein. Je kiffe. Elle est vraiment cool, les gars. Très, très agréable à conduire. Donc, c'est une KTM qui est accessible avec... Oula, il était là, j'avais pas vu. Avec, je vais faire demi-tour, avec le permis A1, donc permis 125, les gars, disponible dès 16 ans. Donc là, on a un témoin neutre aussi. Alors, t'aimes bien? Non. Elle est toute petite? Non. Ça accélère? Ça accélère, c'est un moteur de 390. On fait une présentation après. Non, franchement, la Juke, très propre. Les petits protège-mains, là, c'est vraiment agréable aussi. Donc année 2009, elle est, 2019, elle est vraiment super récente. Et le frein, en fait ce qui me surprend vraiment sur cette bécane les gars, c'est le freinage, l'agilité et le poids. Et le couple, franchement là du coup. Donc on est sur la KTM Juke 125 2019. Voici l'aspect extérieur les gars. Donc elle est assez jolie. Plus tard vous pouvez la personnaliser, mettre un kit déco. Petit kit déco, donc là c'est coloris blanc. Donc support de plaque court comme je vous ai dit. La petite ligne, enfin le silencieux à Krapovic. Voilà, donc là je sais pas combien elle a de kilomètres. 568 km, ah ouais elle est vraiment neuve les gars. Elle est toute neuve, full origine. Enfin full origine, il y a quelques trucs qui ont été changés comme je vous l'ai dit. Donc on vous fera une vidéo présentation qui arrivera sur la chaîne pour vous présenter celle-ci. Donc voilà, donc on a la face coupée un peu KTM, assez agressive avec le tableau de bord. Et les petits clignotants ici, assez discrets, elle est vraiment jolie, vraiment légère. Je ne sais pas combien elle fait en poids, on va regarder ça tout de suite. Bon, c'est un monocylindre 4 temps, bien sûr, 137 kg, voilà. Donc elle est vraiment propre. Donc elle est au prix de 4889 euros si vous souhaitez l'acheter. Ils en vendent au magasin de Montpellier, donc allez voir, je vous mets encore l'adresse en bas de l'écran et je la mettrai dans la description. C'est une moto qui ne se consomme pas trop, donc c'est un réservoir d'environ 12-13 litres. Tu veux aller vers où? Par là, on va aller là où on était hier. Mais faut pas qu'on la teste trop longtemps. Hein. Non, mais t'inquiète, ça fait 5 minutes. Ah, franchement, super moto. Hein. Moi qui voulais en tester une, et vous étiez nombreux en ce moment à me demander ce test dans les commentaires. Et ben nous y voilà, KTM Juke 2019, donc les phases 2. J'avais déjà testé une phase 1. Allez voir la vidéo en haut à droite, elle s'affiche si vous ne l'avez pas vue. Donc là, on est sur les phases 2. Franchement, agile, léger, il y a du coup, c'est cool. Allez, c'est parti les gars. Yeah, elle a de la patate les gars. Donc, petite vidéo à Montpellier mon gars. On pose le genou. Non franchement, honnêtement, je vais pas vous mentir. KTM Juke, je me suis toujours dit je préfère les premiers modèles, je suis sincère. Mais honnêtement, après avoir testé une 2019 très récente, ouah le fou, c'est un fou. Ouah, il a failli se manger la voiture. Ouah, fais gaffe mec. Franchement, je suis surpris par le freinage. Ça freine super bien, il y a les ABS. Mais surtout le poids de la moto et puis le confort, on est super bien installé. La selle elle est un petit petite, pas trop grande. On est bien encastré, les jambes elles s'encastrent dans le réservoir. Donc franchement nickel les gars, il y a pas mal de coupes. Franchement elle a du coupe. Pour une 125 elle a du coupe, merci. Pour une 125 elle a pas mal de coupes, regardez. On accélère un peu. Voilà, donc petit test tranquillement. J'espère que cette vidéo vous plaît. Lâchez un petit like. On fait un petit test dans Montpellier. Je sais pas si je vous ferai une vidéo présentation de cette moto. On verra. Quoi? Ça? T'aimes bien? C'est un vélo. C'est un vélo.
Franchement, je vous la conseille. En plus, façon KTM, c'est super fiable. Moi, j'adore KTM Duke 125 et YZF 125. Pour moi, c'est les deux meilleures gammes de 125. Après, il y a la MT 125 qui est cool. Non, nickel, les gars. Ça consomme pas trop. Donc franchement, force à eux, merci à eux de nous avoir permis ce test. On a dû remplir, bon c'est pas un partenariat, mais c'est un petit accord, en gros on a dû remplir des papiers et tout pour pouvoir faire le test. Mais franchement, quand quelque chose est bien, je pense qu'il faut le dire. Et là, je me force pas du tout ou quoi, donc c'est vraiment des bons. Allez vraiment dans leur magasin chez KTM à Montpellier, il est super cool. Et ils vous accueillent très très bien. Donc voilà les gars, donc on a fini de tourner notre petite vidéo présentation, on va aller rendre les motos, c'était vraiment bien cool. On a fait quoi, 1h15, j'espère qu'on va pas trop, on a pas mis trop de temps. Oh, il y a une Nissan 370Z, elle est magnifique, très jolie. Voilà, on rend la moto, je suis le concessionnaire. Donc là il y avait des petites Juke 125, mais des modèles que j'avais déjà testé sur la chaîne, c'est pour ça que j'ai pris la 2019 les gars. Attends, je garde la Juke devant. Voilà. Donc très bon test, très bonne vidéo les gars. Elle marche super bien, je suis super satisfait. Et oui, j'ai mis une paire de chaussettes pour pas défoncer mes Yeezy. Ouais, ça va. Mec, j'adore cette moto. Ah ouais, ah, mec, je garde le casque moi, comme ça je filme à l'intérieur. Ouais, ouais. Je l'ai pas levé mal, hein. Pourquoi? Non. Non, moi je l'ai pas mis. Hein. Voilà, c'est comme ça à l'intérieur. Ouais. Je voulais tester un RC125 aussi les gars, mais il n'y en avait plus en test. Ils sont très jolis. 690 SMCR mon gars, les nouvelles. Non, la RC elle est vraiment belle. Ouais ouais, elle est belle aussi. C'est une combien? 450. D'abord Jules. Ouais. Il est quelle heure? Il est... 53. Ouais. 50. Si tu peux signer. Ouais, ici, pas de soucis, merci. Ça s'est bien passé? Ouais, nickel, franchement, super. Il n'y a plus d'essence dans la ville Pinel. Ouais. Ouais, t'es déjà sur réserve, je crois, non? On a roulé, mais on a fait une vidéo présentation, c'est pour ça qu'on a pris un peu de temps. On a fait surtout. On s'est posé, on a fait une vidéo pour présenter la moto et tout. Sur laquelle? Les deux? Bah ouais, les deux, on a fait les deux. Ah, plus test. Enfin, toi, test de la truc. De la SPN, toi, test de la... Ouais. Si tu peux signer ici. Hop. Mais ouais. Et le bruit. Pour le pot d'origine. Non mais elle marche à mort, hein. C'est la même moto. Elle. Ouais, ouais, elle est super bien. D'habitude de la 390, c'est le même moteur. Oui mais c'est à moi. Moi je trouve qu'elle prend moins de poids. Il marche mieux. Sur la vie de Pilène, il marche mieux que la 390. Tu vois, je dis la même chose, ils me disent que non. Je suis persuadé qu'elle marche mieux. Nickel. Ouais. Avec l'ABS et tout, nickel. ABS, la légèreté de la Juke et tout, j'ai bien kiffé. Et elle avait du coup pour une 125, je trouve qu'elle en a plus que les anciens modèles que j'avais testé justement. Ouais, ouais, elle est nickel, hein. Bah, elles sont super récentes là. Voilà les gars, j'espère que ce petit test vous aura plu. Nous on va vous laisser là. On dit à la prochaine pour une prochaine vidéo les gars. Peace. Hold me close till I get up. Time is barely out.